Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent, j'ai 22 ans et je suis pianiste. Je suis né à Campbell River, Colombie-Britannique, c'est une petite ville près de Vancouver, mais quand j'avais 7 ans, ma famille a déménagé à Montréal. Il y a 6 ans, ma famille a déménagé une autre fois, 7 fois en Ontario, mais je suis resté à Montréal moi-même pour mes études. L'année dernière, j'ai complété mon baccalauréat en musique à l'Université de Montréal avec Dan Tyson, et maintenant j'étudie à l'école Glenn Gould à Toronto avec John O'Connor, en obtention de mon diplôme d'artiste. Je suis très excité de jouer pour vous parce que ça fait 5 ans depuis ma première année d'études en 2016, j'ai développé une condition neurologique appelée focal dystonia. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un résultat de stress et surménage et c'est terminé la carrière de nombreux musiciens qui sont affectés parce qu'il n'y a pas de remède pour cette condition. Basically, mon cerveau a perdu le contrôle de ma main droite et pour plus d'un an, je ne pouvais pas du tout ouvrir ma main et c'était coincé comme ça. Tous les médecins m'ont dit qu'ils ne sont pas sûrs si je serais jamais capable de jouer encore et donc je n'avais pas d'autre choix que de quitter mes études en musique et poursuivre un autre domaine. Mais, miraculeusement, 2 ans plus tard, ma main a commencé à améliorer et j'ai décidé de reprendre mes études en musique bien que j'étais seulement capable de jouer des œuvres lentes. Long story short, je ne suis pas encore complètement récupéré, mais cette année, je suis finalement capable de jouer des répertoires plus exigeants. Et donc, ma performance ici à Orford sera ma première performance devant un public en 6 ans. OK. Pendant mon temps libre, j'aime faire du sport, jouer des jeux vidéo avec mes amis. J'aime aussi regarder des sports et des films. J'ai travaillé au cinéma pour plusieurs années quand j'étudiais autre chose, donc je connais beaucoup sur toutes sortes de films. J'avais 17 ans quand j'ai développé ces conditions parce que j'étais tellement stressé de savoir si je vais réussir dans ce domaine. Mais pendant les 2 ans que je n'étais pas capable de jouer de tout, je me suis promis que si jamais je suis capable de jouer encore, je vais penser à rien qu'à de profiter de chaque moment de la musique et j'espère que le public peut sentir ça dans mes performances. Désolé si mon français est difficile à comprendre, j'ai habité à Montréal presque toute ma vie, mais français est ma 3e langue. Merci.